Coucou, enfin re-coucou, parce que je vous ai déjà fait plusieurs vidéos là aujourd'hui. On est toujours jeudi 23, je crois. Et là, je vais vous ouvrir la Dégustabox de juin, que j'ai reçue vraiment en retard là, parce que le 23 juin, je trouve que ça fait bien tard. D'ailleurs, je vous en avais parlé là dans une autre vidéo, que j'allais peut-être l'arrêter, mais qu'au mois de septembre, je vais encore la garder. Encore la garder pour juillet et août, mais au mois de septembre je vais arrêter parce que c'est des choses que je vais pas pouvoir manger. Corinne m'a dit, si tu fais attention à ce que tu manges, tu vas pas manger grand chose dans cette box. Donc là je vais quand même garder, je vous tourne le dos, je vais quand même garder là, juillet et août, parce que s'il y a des petites choses que elle peut manger, autant que ça lui fasse plaisir. Attendez, parce que je suis en train de m'installer. J'avais pas ouvert avant, donc on va y aller. Je vais du nouveau pour l'apéro. Bah oui, déjà moi je prends pas d'apéro, et c'est le titre, enfin le thème, c'est dîner, apéro dînatoire. Donc je vais regarder tout ça après. Il y a des, ouais, il y a des choses. Enfin bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai dit que je continuais à le prendre. Je continue à le prendre pendant 2 mois encore, enfin 3 mois, juin, juillet, août. Et après, sûrement que je vais arrêter. Je suis en train de regarder ce qu'il y a. Bon. On va voir. Ok. Bon, je vous dis tout ça. Alors, on va commencer par déjà des cacahuètes croustilles apéro. Ça, c'est vrai que je ne les mangerai pas. Alors, croustilles apéro. Où c'est que c'est City, ça? Croustilles apéro, jardin bio. Ah voilà, 1,99. De toute façon, je sais que ça, elles vont les manger. Hein. Ça, il n'y a pas de souci, elles vont les manger. Donc, je garde. Alors, ça, c'est 1,99. Prenez le temps de partager un moment en famille ou entre amis avec les délicieux croustilles apéro cacahuètes. Un snack alliant le goût authentique de la cacahuète à la texture croustillante pour le plaisir de vos papilles. Et cela sans arôme ajouté et réduit en sel. Donc, il n'y a pas de souci. Moi, de toute façon, je sais que je ne pourrais pas manger. Alors, des mini brioches burgers. Bon, bah, ça, je pourrais peut-être les manger, mais sans. Vous voyez, pour faire des petits burgers. Burgers. Alors, c'est bon jusqu'à quand, ça? Parce que si. Jusqu'au 12 juillet. Ah bah oui, mais ils sont bien gentils jusqu'au 12 juillet. Mais bah je m'en servirai, vous savez, dans mon café ou tout ça, je prendrai. C'est de la brioche, c'est du pain, hein. De la brioche, ça, je prendrai. 12 mini brioches. Alors, où c'est qu'elles sont les petites brioches là? La fournée. La fournée dorée, voilà. 10, alors là, 10 mini brioches, oui, c'est ça. 1,75. Du nouveau pour l'apéro, découvrez les mini brioches burgers, de savoureux petits pains briochés à garnir selon vos envies pour l'apéritif. Fabrique. Ouais, bah ça, je peux manger ça dans mon petit déjeuner le matin. Je mets un peu de confiture dessus sans sucre, et puis ça me fait mon petit truc. Ça, je peux. Alors ensuite, bah ça, je vais regarder aussi. C'est vraiment pour dîner à apéro, hein, ça, dîner, apéro, dîner. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui colle. Je ne sais pas si c'est une idée. Alors, c'est des snacks, c'est des petits gâteaux apéro. Hein, ça, on connaît tous ces petites choses-là. Alors, c'est 2,49. 2,49 la boîte, là. Ancel est le partenaire de vos apéritifs. Découvrez le mélange des incontournables bretzels de la marque avec leurs crackers, le tout dans un couvercle recyclable, refermable et transparent, à déguster seul, en famille ou entre amis. Ça sera pour les filles aussi. Ensuite, ah, ça, des petits saucissons. J'y ai pas droit, mais ça, je pense que je vais quand même les manger. Un cœur cheddar fondu. Ça, par contre, ça me plaît bien. Alors, jusqu'au 2 juillet, bah, là, vous voyez, c'est pas normal parce que je reçois ça le 23 juin et c'est bon jusqu'au 2 juillet.
Donc, bon, ça sera mangé, je vais les manger de toute façon, sans en abuser, hein. 2,29 le paquet. Cœur pesto vert, cœur cheddar fondu. Alors, moi, c'est quoi? Cheddar fondu. Avec ces délicieuses bouchées de saucisson sec au cœur fondant et savoureux, vos apéritifs seront encore plus festifs. Ouais, c'est des tout petits saucissons, sans en abuser, hein. Je peux en manger. Il y en a 12 dedans. Donc, on est le 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1 et 2. Ça fait 9 jours. Je m'en fais un et puis deux des fois par jour, donc c'est pas catastrophique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? Oh là, une sauce algérienne. Alors, c'est pour manger avec quoi ça? Sauce algérienne comme ça. Sauce snack, c'est ça. Alors. Alors ça c'est 2,19. Hein. Savourez votre été avec la gamme de sauces snack parfaite pour vos grillades, pour accompagner vos apéritifs ou pour toutes sortes de viandes ou poissons. Avec mes poissons peut-être. Ces recettes onctueuses apporteront de nouvelles notes épicées à vos plats quotidiens et leur donneront un goût unique. Sans en abuser, je peux peut-être manger ça comme je mange beaucoup de poissons. Ouais, mais il faut pas abuser quoi. J'ai droit, mais il faut pas que j'abuse. Ça me donne envie par contre. Vous voyez, la couleur déjà me plaît. Ça me donne envie par contre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, il y a des boissons. Buvet français, agrumes. Ah ouais, mais si c'est orange, pamplemousse, citron, mandarine. Petite bouteille comme ça. Le French. 1,95 la bouteille. Découvrez cette boisson rafraîchissante et pétillante, fine bulle, ben, j'ai pas droit aux bulles de toute façon, sans alcool, élaborée à partir d'arômes naturels, d'agrumes et issus de l'agriculture biologique pour une consommation pure, sur glace ou en cocktail. Des parfums frais et élégants développant une onctuosité raffinée et maîtrisée, prolongée de notes sucrées délicates. Donc, si c'est sucré, si c'est des bulles, c'est pas pour moi. Ensuite, ça, c'est quoi? Candia crème légère. Ouais. Bon, la crème, j'ai pas droit non plus. Mais enfin, bon, je peux en mettre un petit peu. Vous savez, des fois, sur les poissons, mettre une petite tranche de crème dessus, comme ça. Sans en abuser, 18% de matière grasse. De toute façon, c'est pas la matière grasse, que c'est le sucre qu'il faut que je fasse attention. La crème Candia idéale en cuisson est une crème légère avec 18% de matière grasse. C'est une alliée parfaite pour obtenir de belles sauces souples et onctueuses et lier toutes les recettes à base de crème comme les gratins et les quiches. Et ça, c'est bon jusqu'à. Il se fiche de moi ou quoi? C'est bon jusqu'au 24 juillet 22. Je peux même pas les garder pour quand Corinne sera là. Non, là c'est, je vais leur dire de toute façon, il n'y a pas beaucoup de, y a pas beaucoup de temps de, bon, ben, c'est ça qui a coulé. Il y a une San Pellegrino qui a coulé, c'est ça. Ouais, moi je vais leur dire. Hein. Une bière 1664. Bon, ça, pareil, je la bois pas. Alors, la bière 1664. C'est 4,59. 4,59. 4,59 € le pack de 6. Bon, vous connaissez les bières, hein. Je ne vais pas vous faire le. Alors, ça, par contre, je vais leur dire que San Pellegrino, c'est quoi ça? 3,19 le pack de 6. Et j'en ai combien? J'en ai une. Alors celle-là, elle est complète. Là, c'est quoi? Ah ben, encore une bière qui est toute trempée. Une bière blanche et l'autre, c'est une bière blanc aussi. Ok. Oh ben, je ne peux pas vous laisser ça là quand même.
Donc celle-là, ça va, mais l'autre, je la laisse dans le carton. Ça, c'est quoi? San Pellegrino, eau minérale naturelle. Ah ben ça, je vais peut-être pouvoir le prendre, ça. San Pellegrino, eau minérale. Sublimez votre expérience. Alors, c'est de l'eau minérale aussi, celle-là? Saveur orange sanguine et framboise noire. Et alors, boisson pétillante, mais non, si c'est pourtant c'est marqué eau naturelle, saveur fruitée, sans calories. Bon, je peux goûter quand même à ça quand il fait bien chaud. Saveur citron, ouais, celle-là, je vois, peut-être que je la prendrai. Alors, ça c'est mouillé, ça c'est mouillé. Ensuite, ça, sirop multivers, alors ça. C'est pareil, ça sera pour mes filles. Il y a beaucoup de boissons, hein. Sirop Capri Sun, c'est ça? Ouais, Capri Sun. Découvrez le nouveau sirop Capri Sun, un concentré de fun enrichi en vitamines, fabriqué avec des jus de fruits et qui ne contient aucun conservateur, arôme ou colorant artificiel. Et aussi sa bouteille est entièrement recyclable et composé à 100% de matières recyclées à vos marques prêtes par sortie. Bon, ça c'est bon, j'espère, jusqu'à plus tard quand même. Ah ben oui, jusqu'au 30 avril 23. Bon, c'est bon. Et ensuite, ben, ça va, les gâteaux, ils n'ont pas pris, hein. Mais ça, c'est pareil, je ne les mangerai pas. Cœur fondant, goût chocolat noisette. Oh, vous voyez, j'ai... Ouais, il n'y a rien que... Enfin, à part les petits pains pour le matin... Alors, les petits gâteaux, c'est Lu guet-apens 1,59. Alors, guet-apens fait son retour. Laissez-vous tenter par sa texture délicieusement sablée et craquante et son cœur fondant au goût chocolat noisette. Sans colorant, sans conservateur et fabriqué en France avec des ingrédients de qualité. Une recette ultra gourmande, idéale pour partager avec toute la famille. Et ça, je vous ai dit 1,59. Ouais, je vais mettre ça dans le carton que je garde pour mes filles. Donc ça, je vais essayer d'en manger un de temps en temps. Ça, la sauce, je vais la mettre sur mes poissons. Et puis mes petits pains burger là que je vais mettre, que je ferai pas en burger, mais que je vais manger à 4 heures ou le matin. Donc elle est belle, hein? Elle est belle comme box. Il n'y a pas de souci. Elle est belle, mais maintenant, moi, il va falloir que j'arrête parce que. Pas possible, je peux pas. Bon, pour la canette là qui est percée, elle est toute toute comment? Toute appuyée là. Je vais prendre une photo et je vais leur envoyer. Je vais leur dire que de toute façon, alors ça c'est combien les petites canettes? C'est 3,19 le pack de 6. Ouais, je sais pas si vraiment je dois les embêter pour une canette. Ça met la canette à quoi? À 50 centimes. Allez. Je sais pas ce que je dois faire. Je vais leur signaler, mais pour 50 centimes, qu'est-ce que je voulais que j'aille les embêter? Je vais pas. Non, faut pas exagérer. Je suis pas du genre à embêter les gens comme ça. Ça aurait été une chose à. Je sais pas, qu'est-ce qui est le plus cher? Qu'est-ce qui est le plus cher là-dedans? Il n'y a rien de cher. Même les bières, 4,59, le pack de 6. Les petites bières là. C'est pas si cher que ça. Bon, peut-être pour les saucissons. Mettons que les saucissons auraient été abîmés. 2,29 le paquet. Peut-être que j'aurais râlé. Mais là, 3,19 le pack de 6. Non, je ne vais pas les embêter pour 50 centimes. Non, je suis pas du genre. Non. Je le remarquerai peut-être s'il y a un truc. Je crois que quand comment? Je remplis un questionnaire tous les mois si ça me plaît, si ça me plaît pas, si j'ai goûté, si j'ai pas goûté. Bon, je leur ferai un petit récapitulatif qu'il y avait une canette de percée, mais bon, je ne sais pas non plus. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Hein, je ne sais pas combien de minutes je suis, 14 minutes, ça va. Donc, je vais ranger tout ça dans le carton pour mes filles. Pour mes filles. Je ne sais pas qui va venir. Bon, Coco, c'est sûr. Camille, je ne sais pas. Margot, ça m'étonnerait. Peut-être un petit peu Margot, je ne sais pas. Donc, ouais.
Du nouveau pain. Des mini brioches burger à garnir selon vos envies. Un préfou brioché, ail et fines herbes, barquette au four recyclable. Ah non, mais moi j'ai pas. Moi j'ai pas. Ah, parce qu'il y en a aussi que c'est. Ah oui, il y a deux sortes. Vous voyez. Moi j'ai eu celle-là. Là. Bon, j'espère qu'il n'y a pas un goût. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, les mini brioches aux olives de l'été. Hein. Sauce pesto, pain, feta, poivre mariné. Les mini brioches burger aux olives de l'été. Pour 5 personnes, 15 minutes, bon ça. Ingrédients, 10 mini brioches comme j'ai là, aux olives. Sauce pesto, feta, poivron mariné. Déposez délicatement du pesto sur la partie inférieure du mini brioche burger. Coupez les poivrons marinés en petits dés, puis les déposez sur le pesto. Émiettez la feta et la déposez sur les poivrons marinés. Refermez le burger et dégustez. Ça doit pas être mauvais. Hein? Et les mini brioches burger poulet. Alors, il faut de la sauce moutarde, du miel. Du miel. Aiguillettes de poulet, mozzarella et salade. Mélangez la moutarde à l'ancienne. Je vous donne les recettes. Hein. Mélangez la moutarde à l'ancienne et le miel en déposant délicatement sur la partie inférieure du burger. Faire cuire les dorées les aiguillettes de poulet et les déposer sur la partie inférieure du burger. Coupez les tranches de mozzarella et les couper à nouveau en deux. Déposez la mozzarella sur le poulet. Ajoutez quelques feuilles de salade. Refermez le burger et dégustez. Ouais, c'est pas mal comme petite recette. Mais je ne peux pas les garder, elles vont être périmées quand elle va arriver. Donc, voilà. Donc, sur ce, je vais ranger tout ça. Nettoyer là, ce qui est mouillé. Il n'y a plus rien, hein, je pense pas. Non. C'est mouillé. Et voilà. Et je vais vous laisser. Et je vous dis merci d'avoir regardé. Bisous à tous et toutes. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.